Thank you. Demat à des mes chers auditeurs, je suis le Marweiler et comme promis, je vais vous faire à présent ma courte analyse sur le fascicule L'État rédigé par M. Yves Mervin et le cercle Pierre Landais. Donc en premier lieu, je voudrais saluer l'initiative parce qu'il est assez rare d'avoir un travail aussi abouti sur la réflexion de ce qu'on pourrait appeler euh, l'après l'indépendance, c'est-à-dire la création d'un État breton. Puisque la plupart du temps, la seule initiative qui est proposée, euh, c'est la création d'un État communiste breton, un État bolchévique, et il est hors de question euh, que cet État. Existe. Donc, le cercle pierlandais propose ici la création d'un État breton basé sur le principe de démocratie directe, à la Suisse, on pourrait dire. Déjà, l'existence de cette proposition post-indépendance est déjà formidable en soi. Et personnellement, je ne peux, et eh bien comme je l'ai déjà dit, que saluer cette initiative. Dans ce fascicule, je peux voir, je peux constater deux choses, deux catégories, on pourrait dire, d'observation, d'écriture, etc. D'une part, ce qu'on pourrait appeler les constats, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler les solutions. Donc les constats, ce sont les observations faites sur la situation actuelle des choses, et donc en particulier sur l'état actuel du gouvernement, de la justice, etc. Donc en l'occurrence, bien évidemment, puisque nous sommes encore malheureusement sous occupation française, de la République française. Et pour moi, en tout cas, ces constats sont pour beaucoup très bons, très bien vus. Pour l'exemple, ainsi, les réflexions sur le droit et la justice, qui sont effectivement, pour à l'heure actuelle, absolument incompréhensibles, labyrinthiques, extrêmement complexes, au point qu'une personne lambda est incapable de comprendre le droit régulier sans l'aide d'un expert. Et ça, c'est profondément anormal, puisque dans une société normalement constituée, les lois devraient être simples afin que tous soient à même de les comprendre. Comme il est dit dans l'ouvrage en question, il vaut mieux peu de lois claires et simples qu'une pléthore de lois labyrinthiques, byzantines et complexes, où tout le monde se perdra au bout du compte. Puisque l'objectif de la justice, normalement, est de servir la société et de la faire tenir ensemble, notamment en limitant et en éliminant les fauteurs de troubles qui sont... Nocif à cette société. Donc la loi doit être claire afin que tous connaissent les limites de leur liberté d'action. Et donc effectivement, dans une société brisade post-indépendance, la simplification de tout ce qui est droit, justice et fonctionnariat est, à mon avis, aussi bien que de l'avis du cercle pierre landais, une nécessité absolue. Car dans une République française où on nous répète en boucle comme une retournelle que nul n'est censé ignorer la loi, mais dans laquelle on pourrait vous assommer avec le livre du code pénal et du code civil, eh bien, on peut considérer qu'effectivement, il y a un petit problème de droit et de justice. Un autre angle que je trouve très plaisant et très intéressant dans la réflexion du cercle pierlandais, c'est l'intégration des nouveaux outils, et particulièrement des outils numériques, dans la réflexion politique pour la création d'un nouvel État breton. En effet, les capacités de consultation de la population ont été considérablement augmentées par l'existence des réseaux sociaux et surtout d'Internet, et donc ces outils peuvent être effectivement. Exploité au profit de l'établissement d'une organisation à minima consultative, certains diraient euh, démocratique, à divers niveaux de l'État. Notamment, ce genre d'outils facilite énormément l'établissement de cahiers de doléances et pourrait, en étant correctement utilisé, permettre réellement de rétablir un lien réel et sincère entre un gouvernement breton et la population bretonne qui aurait, par ces outils, les moyens de s'exprimer et de s'adresser à son gouvernement. Autrement dit, l'utilité consultative de tels outils dans la vie publique future de la nation bretonne est bien évidemment tout à fait et tout de suite visible. Une autre chose que je trouve profondément appréciable, c'est que ce fascicule choisit d'inscrire ses réflexions dans le cadre du droit international. Donc, ce ne sont pas forcément des cadres que j'apprécie forcément à titre personnel. Hein. Moi, je vais vous avouer quelque chose qui ne va peut-être pas vous surprendre, mais je ne suis pas du tout fan de l'Union européenne. Mais ce qu'on pourrait appeler un détail, entre guillemets, a l'intérêt de placer, du coup, le contenu de ce fascicule dans la réalité et non pas de créer une espèce de théorie hors sol, comme le font bien trop souvent les idéologies communistes. Et ça, je pense que c'est très très important, l'air de rien, puisque ça veut dire que le contenu de ce fascicule est ancré dans la réalité des relations internationales. Et donc, bah, encore une fois, vous allez m'entendre me répéter, mais je ne peux que saluer cette démarche. Je trouve cette démarche absolument excellente. Et je pense que je peux vous avouer quelque chose, c'est que, à titre personnel, euh, j'aime beaucoup la démocratie, mais euh, pas quand elle est régalienne. C'est-à-dire que mon idéal d'un état, en fait c'est d'avoir un système échelonné où d'une part à la base donc c'est-à-dire pour les décisions locales, il y a une démocratie puisque là les gens sont concernés par ce qui les concerne immédiatement donc ils peuvent en parler, ils peuvent en débattre et à mon avis, il est absolument nécessaire que la démocratie soit totale dans les affaires locales et je considère également qu'il est absolument nécessaire que la population ait un lien direct avec son gouvernement, quelle que soit la forme de ce gouvernement. Pour bon, moi, ce sont deux composantes absolument essentielles. C'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, le populaire, le populo pourrait-on dire, doit avoir la capacité de solliciter de manière simple et efficace son gouvernement via, idéalement, ce qu'on pourrait considérer comme des cahiers de doléances. D'autre part, il faut, au niveau régalien, un système de gouvernement qui soit absolument immunisé contre le problème toujours prégnant des lobbies. Et pour ça, à mon avis, la meilleure forme de gouvernement qui soit, parce que celle qui est la plus notoirement connue pour résister aux lobbies, c'est une monarchie. Donc qu'il ne faut absolument pas confondre avec une autocratie, c'est extrêmement important. Un autocrate, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir par des moyens démagogiques et qui s'y maintient par des moyens démagogiques, voire totalitaires ce qui est fondamentalement différent d'un ordre monarchique dans lequel le monarque hérite de son pouvoir, d'une, est formé pour gouverner, de deux, et de trois, remet le pouvoir à sa descendance. Donc bien entendu, cela n'est qu'un avis personnel, il n'est en aucun cas l'avis du Parti national breton, et pour ma part... Quelle que soit la forme de gouvernement que choisira d'adopter l'État breton, s'il est déjà indépendant, je considérerais cela comme un progrès fondamental et appréciable par rapport à l'état actuel des choses. Et j'en serais du coup très heureux. Bien entendu, le cercle pierlandais pose la question de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire la nécessité que les pouvoirs se contrebalancent les uns les autres pour éviter une prise de contrôle et euh, comme on le voit dans la République française actuelle la formation d'une oligarchie politique. À mon avis, le risque de raisonner en termes de séparation des pouvoirs et de multiplier, on pourrait dire de pléthoriser euh, la quantité d'institutions qui seront fixées afin de se contrebalancer les unes les autres. Et donc en fait, au final, au nom de la démocratie directe et de la séparation des pouvoirs, on va créer une pléthore d'institutions politiques et juridiques qui vont se mettre des bâtons dans les roues les unes des autres et conduire en fait à un État encore plus boursouflé qu'il ne l'est aujourd'hui, tout ça au nom d'une démocratie directe supposée plus simple. C'est pour moi un vrai risque car la pléthorisation des institutions d'un État est au moins tout aussi dangereuse que la pléthorisation du droit et du système judiciaire du dit État. Donc on peut noter en passant que euh, le cercle landais a encore une fois le mérite d'être particulièrement clairvoyant sur les limites de la démocratie parlementaire et des problèmes fondamentaux. Qu'elle pose en matière de déontologie et notamment la dérive inévitable d'une démocratie parlementaire qui l'a conduit à devenir une forme d'oligarchie. Oligarchie qui est d'ailleurs, d'après Aristote, la pire forme de gouvernement, puisqu'elle a tous les défauts de la dictature et de la démocratie sans avoir aucune des qualités de l'une et de l'autre. Et donc, à mon avis, poser la question de l'équilibrage des institutions en matière de. Séparation des pouvoirs est, à mon avis, une mauvaise démarche, puisqu'elle conduit inévitablement à cette pléthorisation que nous avons évoquée. Il vaudrait mieux, je pense, parvenir à créer un système gouvernemental qui soit à la fois simple et fermé au risque de corruption, de ce qu'on pourrait appeler au risque de lobbying. Et encore une fois, pour cela, à l'heure actuelle, moi, la meilleure forme de gouvernement que je connaisse qui puisse fonctionner à ce niveau-là, c'est la monarchie et encore une fois pas l'autocratie. En effet, il y a un risque fondamental dans ce qu'on pourrait appeler la démocratie directe, qui est à savoir que les décisions sont prises en fait par un consensus de citoyens. Alors, ça paraît très joli sur le papier, mais en fait, comme dirait Victor Hugo qui était un socialiste notoire, pour que ça fonctionne, il faudrait que les citoyens soient parfaitement éclairés et conscients des choix qui s'offrent à eux. Et dans la plupart des temps, ce n'est pas le cas. L'immense majorité des citoyens n'a pas le temps ni l'intérêt de s'occuper de politique. En dehors des choses simples qu'ils peuvent comprendre, si j'ose dire, qui sont à leur portée, ou plutôt qu'ils ont le temps de comprendre dans le temps qu'ils peuvent impartir à la politique. Et, et ça, pour moi, c'est un frein fondamental à une idée de démocratie directe c'est que euh, du coup, à cause de cela, à cause de cette limitation fondamentale, la démocratie directe comporte un risque de lobbying et de démagogie qui est certes, et ça je suis tout à fait disposé à le reconnaître, considérablement moindre que dans les démocraties parlementaires ou les dictatures autocratiques. Et dans l'absolu, je pense même que, dans une certaine mesure, la démocratie directe à la Suisse pourrait fonctionner pour la Bretagne. En effet, le peuple breton a toujours eu un éthos remarquablement communal, comparé à ses voisins français qui, au contraire, tendaient à être plutôt très pyramidales. Donc, dans l'absolu, pourquoi pas Moi, je dis pourquoi pas. Comme le relève le cercle pierlandais, ça a marché en Suisse, ça peut marcher en Bretagne. Cependant, au final, ce qu'on pourra retenir, c'est que toutes les réflexions que nous pouvons poser sur la forme d'un État, la constitution d'un État, etc., en fait, supposent que cela fonctionnera si des hommes vertueux se retrouvent à la tête de l'État. Et c'est là tout le problème d'un système électif, en fait, c'est que, bah, les... par la force des choses, ce sont bien souvent les hommes habiles qui se retrouvent élus, et les hommes habiles sont malheureusement rarement vertueux. Car il y a à la vertu une forme de candeur, qui exclut en fait toute possibilité de réaliser, on pourrait dire, un discours démagogique qui attirerait les foules. Pour avancer un peu, je trouve personnellement les réflexions sur la subsidiarité et l'administration particulièrement intéressantes. En effet, la capacité d'un État à déléguer est absolument essentielle. Je suis, à titre personnel, extrêmement hostile à ce qu'on pourrait appeler l'étatisme, c'est-à-dire la mainmise totale de l'État sur toutes les affaires de la vie. Les choses locales doivent être, autant que possible, décidées localement, tant qu'elles ne contreviennent pas aux lois régaliennes générales. Et donc, en fait, au final, un État breton se devrait, je pense, d'être stratifié c'est-à-dire d'avoir en fait un gouvernement qui sera régalien au sommet de l'État, et des décideurs locaux, donc des maires, des baillis, etc., des conseils municipaux, qui non seulement pourront être élus démocratiquement, mais surtout devront être élus démocratiquement. C'est une nécessité. Car en effet, là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, dans euh, le cadre d'une réflexion locale, c'est-à-dire de ce qui est immanent pour les populations concernées, la démocratie est non seulement utile, elle est non seulement logique, mais elle est à mon avis même souhaitable. De même, les dispositions visant à limiter le carriérisme dans le fonctionnariat sont intéressantes. Cela permet en fait de soumettre le fonctionnariat à une obligation de résultat vis-à-vis -vis de l'État auprès duquel euh, il a son contrat, et donc en conséquence de limiter le risque de carriérisme mou de personnes qui ne se sent aucune contrainte puisque de toute façon à moins de faire une faute grave ils ne risquent absolument rien moi je trouve ça intéressant je ne vais pas dire que c'est la voie à suivre mais je trouve intéressant la conception que l'état fonctionne vis-à-vis -vis des fonctionnaires comme une entreprise avec le cas échéant la liberté de licencier les fonctionnaires qui se révéleraient inutile ou improductif, ou comme il est dit élégamment dans l'ouvrage, pour cause économique ou de capacité. Et l'avantage de limiter le carriérisme fonctionnaire est également de forcer un brassage entre citoyens fonctionnaires et non fonctionnaires, et donc effectivement de rendre les fonctionnaires plus sensibles aux affaires des citoyens. Non fonctionnaires, puisqu'ils en connaissent les difficultés, les problèmes, et qu'ils peuvent donc développer plus facilement une forme d'empathie, puisqu'ils en connaissent les troubles. Voilà. Sur la forme de gouvernement, cet ouvrage propose quatre voies possibles. La première, c'est de maintenir le statu quo actuel, donc une pseudo-région Bretagne coincée dans un État français tout-puissant et invasif. De deux, donc l'idée d'une région dans une République fédérale française, ou d'une Europe fédérale, donc des, une Europe des régions, on pourrait dire. Et enfin ce qu'on pourrait appeler le Brexit, donc la sortie de la Bretagne, de la France et de l'Union européenne, et sa formation donc en état fondamentalement indépendant et souverain. Alors, je ne vais pas vous mentir, évidemment, je ne vais rien vous cacher, ma préférence va bien évidemment à la quatrième solution. Pour moi, la première et la seconde solution ont un problème fondamental en commun, qui est que la Bretagne reste directement inféodée à l'État français. Donc, que ce soit avec une certaine mesure d'autonomie, comme dans une, on pourrait appeler une, une France fédérale, ou euh, en tant que région pure et simple comme est sa situation actuelle, aucune de ces deux solutions eh n'a mon agrément puisque aucune de ces deux solutions n'est intéressante pour la Bretagne. Bien au contraire, la poursuite de cette première ou deuxième solution, donc la Bretagne inféodée à la France, va conduire à l'achèvement de sa destruction humaine et culturelle. Même si l'État français se réforme, fondamentalement, c'est ça qui est important de comprendre, c'est que l'État français, fondamentalement, il parle français, il résonne comme un français, et nous, bretons, nous ne sommes pas français, nous... Ne parlons pas, ou en tout cas, ne parlions pas français et ne raisonnions en aucun cas comme des Français. Nous avons une manière d'être, un ethos, un fonctionnement qui est absolument étranger à la France, à son impérialisme et son jacobinisme. Et donc, pour ces raisons-là, pour la survie de la Bretagne, il est absolument Essentiel que nous ne soyons plus inféodés à la France. Et donc, cette inféodation, que ce soit sous forme d'une région ou sous forme d'un État fédéral, donc l'appartenance à un État fédéral français, pour moi ne sont ni acceptables ni souhaitables. Donc, je pourrais être ouvert à la solution d'une Europe fédérale. Donc, c'est la fameuse Europe au sans-drapeau défendue par Yann Foueré et maintenant son fils Erwan Foueré. Cela dit, pour moi, la question de la fédération et je m'étendrai un peu plus sur le sujet sur un autre podcast à l'inconvénient d'être une notion particulièrement imprécise puisqu'il est particulièrement difficile dans le cadre d'une fédération de définir correctement et de comprendre jusqu'à quel niveau vont les droits et les devoirs d'une Bretagne dans une Europe des régions et notamment est-ce que la Bretagne serait considérée comme une nation à part entière ou comme une région fédérale en somme est-ce qu'il s'agirait d'une Europe fédérale des régions ou d'une Europe fédérale des nations parce que pour moi il y a une différence fondamentale entre les deux une Europe fédérale des régions n'aurait pas beaucoup de différence avec au final la France fédérale c'est à dire que euh, nous risquerions d'être absorbés dans une espèce de pseudo culture européenne ou en tout cas de ne pas pouvoir développer nos propres systèmes culturels, intellectuels, linguistiques, infrastructurels, et au final de bénéficier par nous-mêmes et pour nous-mêmes, des avantages et des richesses dont dispose la Bretagne. Dans le cadre d'une Europe fédérale des nations, ce serait acceptable dans la mesure où la supranationalité de cette Europe fédérale n'écraserait pas les nations qui en font partie. Autrement dit, cette Europe fédérale des nations ne devrait être pas plus qu'un accord de coopération et de soutien et de commerce étroit entre les membres qui la composent. En somme, ce qu'était l'Union européenne avant le traité de Maastricht. Pour moi, ce gouvernement d'une Europe fédérale des nations, sous cette forme-là, pourrait être acceptable dans la mesure où la supranationalité européenne est recevable et surtout n'est pas guidée par une idéologie que je ne vais pas nommer ici, mais vous savez tous à laquelle je pense. Enfin, la question de l'indépendance qui me paraît être pour moi en fait la forme la plus efficace et la plus favorable pour lire ce fascicule. D'ailleurs le cercle pierlandais ne dit pas autre chose. Hein. Ils ont considéré pour le développement de leur écrit que c'était la voie à suivre. Et en cela je suis totalement d'accord avec eux. Pour moi il faut que la Bretagne soit un État-nation. Indépendant. Parce que, au final, qu'elle soit une démocratie directe ou une monarchie constitutionnelle ou je ne sais pas quoi d'autre, eh c'est dans le cadre d'une nation libre et indépendante qu'elle pourra de toute façon se développer et se faire fructifier, si j'ose dire. Pour finir, je trouve la constitution proposée par le cercle landais particulièrement intéressante. Comme je l'ai déjà évoqué, elle reprend des traités de droits généraux, particulièrement en ce qui concerne le principe des eaux territoriales et de l'espace aérien, mais aussi du fonctionnement des communes, du territoire, des pouvoirs, du droit, etc. Donc, Bien évidemment, euh, en ce qui concerne le développement du territoire, je suis parfaitement en accord avec ce qui est dit dans ce fascicule. Effectivement, les eaux territoriales et l'espace aérien sont les prérogatives d'une nation indépendante. Et bien entendu, la question euh, de notre territoire, bien que l'évidence de la Bretagne historique soit là, donc les fameux cinq départements, même si personnellement je préfère les 9 pays. Eh bien, par exemple, la question de certaines communes avantagères de Bretagne, avec certaines anciennes provinces du Maine, de l'Anjou et du Poitou, peuvent être consultées pour connaître leur rattachement à la Bretagne. Ça me paraît être une bonne chose. En ce qui concerne le nom de la nation, alors là, je suis désolé, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le cercle. Pour moi, l'appeler démocratie directe du nouvel État de Bretagne ou quoi que ce soit, c'est un risque, puisque, comme l'ont évoqué un certain nombre de pays, dont la structure marxiste dictatoriale s'est récemment effondrée il y a quelques décennies de cela, ce n'est pas parce qu'il y a démocratique dans le nom d'un pays que le pays l'est forcément. Et d'ailleurs, en général, un pays se part bien souvent dans son nom des vertus qu'il n'a pas. Il ne me paraît donc dangereux et absolument pas nécessaire de donner un nom aussi alambiqué à la nation. Moi, personnellement, je propose purement et simplement République Braise. Si jamais le gouvernement formé devient une république, ou Ruan Teles Braise, si jamais ça devient une monarchie. Donc République Braise et Ruan Teles Braise, signifiant bien évidemment République de Bretagne et Royaume de Bretagne. En ce qui concerne la question du droit, que ce soit dans la Constitution bretonne ou dans le droit breton, il est toujours utile de rappeler que dans le cas où la Bretagne quitterait l'Union européenne en tant que membre, ou en tout cas, ne refuserait d'y adhérer une fois devenue indépendante, eh bien, il apparaît profondément inutile de vouloir se conformer aux dispositions du droit européen. En revanche, la conformation au droit international, en particulier aux lois de l'ONU et à un certain nombre de chartes et de conventions internationales, particulièrement, par exemple, la Convention internationale des droits de l'enfant, est, en revanche, une nécessité. En ce qui concerne la nationalité, il euh, n'y a pas trop de questions à se poser. C'est au droit du sang de prévaloir purement et simplement, puisque la nationalité et la citoyenneté sont une et même chose, et donc la nationalité et la citoyenneté ne peuvent être obtenues qu'en ayant au moins un ascendant breton sur les deux. Avec, dans certains cas, évidemment, la possibilité d'accorder de manière exceptionnelle la nationalité bretonne pour service rendu à la nation. Bien entendu, cette nationalité est exclusive, c'est-à-dire qu'elle doit conduire normalement à la destruction, si j'ose dire, de toute autre nationalité antérieure. Une personne qui recevrait la nationalité pour bretonne pour service rendu et qui serait, je ne sais pas, originaire de Pologne, doit, pour pouvoir recevoir cette nationalité, renoncer à sa nationalité polonaise. Bien entendu, il y aura également l'établissement d'un statut de résident pour les personnes n'étant pas de nationalité bretonne mais vivant en Bretagne et qui n'auront donc pas de droit civique, c'est-à-dire le droit de participer à la vie publique du gouvernement de la nation. Et ça paraît normal. En ce qui concerne les langues, alors je suis désolé mes chers amis du cercle pierlandais, mais encore une fois le gallo n'est pas une langue, c'est un patois régional. Et il ne doit donc y avoir qu'une seule langue officielle en Bretagne, qui est le breton. Et normalement, tous les fonctionnaires, toutes les personnes souhaitant accéder au service public, doivent être tenus de le parler, ou doivent pouvoir justifier d'un niveau minimal en langue bretonne. Pour moi, le français restera langue d'usage le temps de la transition, donc la fameuse transition qui est évoquée au début du fascicule, qui devrait durer entre 5 et 10 ans. Mais passé ce délai, il doit être considéré comme une langue étrangère, comme une autre, et c'est tout. Et la diplomatie internationale se pratiquera dans les langues en usage dans la diplomatie internationale, donc généralement l'anglais. Alors pourquoi me direz-vous cette nécessité d'établir le breton comme seule langue officielle de la Bretagne Eh bien, en fait, c'est purement et simplement la nécessité qu'a un État-nation de se singulariser par rapport à ses voisins. Et même si la langue n'est pas le seul marqueur d'appartenance à une nation, elle reste néanmoins un marqueur extrêmement fort, un vecteur particulièrement marqué de sa singularité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger. Donc pour cela, il est absolument nécessaire que la langue officielle, la langue des communications, soit le breton et rien d'autre. En effet, le breton est une langue qui est parlée dans toute la Bretagne, même si des enragés essaieraient de nous faire croire le contraire, c'est une langue qui a été parlée dans toute la Bretagne, pratiquement, et il apparaît donc que c'est un choix naturel pour être la langue officielle privilégiée de la nation bretonne. Il est absolument hors de question que la langue de ceux qui nous ont tenus en oppression pendant près de 500 ans, reste la langue officielle de notre pays, même en tant que langue co-officielle, c'est absolument hors de question. Pour conclure, donc comme je l'ai dit, même si je ne suis pas d'accord avec tout, je trouve que ce fascicule porte une idée absolument novatrice et particulièrement intéressante, qui est de proposer une réflexion sur un nouvel État breton après l'indépendance. Et il offre une piste de réponse, il offre une possibilités que je trouve pour ma part particulièrement intéressante. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout, mais je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de réflexions à garder dans cet ouvrage et à adapter de manière à ce que les chefs du futur état breton indépendant puissent s'inspirer de ce document de travail afin de construire un nouvel état breton. Donc à ce niveau-là, il est toujours utile de rappeler que le Parti national breton, comme tous les partis nationaux bretons historiques, que ce soit euh, celui de Louis-Napoléon Leroux et Camille Le Mercier d'Hermes, celui d'Olivier Mordrel et de Frances de Beauvais, ou euh, celui de l'après-Seconde Guerre mondiale, eh bien, aucun de ces partis-là n'a, dans sa ligne directrice, établi de décision par rapport à ce que sera un État breton. En fait, la raison en est très simple. C'est que, Beaucoup de gens ont des visions très différentes de ce que devrait être un État breton, et le Parti national breton, sous toutes ses formes, dans toute son histoire, a toujours milité, d'abord et avant tout, pour l'indépendance et l'intégrité physique, morale et territoriale de la nation. Ce qui se passe, on pourrait dire, après, donc dans l'après-indépendance, eh bien cela, nous en discuterons entre tous les acteurs du mouvement breton du mouvement nationaliste breton lorsque l'indépendance aura été obtenue et lorsqu'il y aura donc lieu de discuter sur ces choses-là. Je vous ai livré mes préférences personnelles, je suis aussi hostile au collectivisme qu'au libertarianisme qu'à l'étatisme, mais je préfère encore voir une démocratie parlementaire bretonne ou une dictature bretonne ou même une oligarchie bretonne que euh, pas de nation bretonne du tout. Et c'est pour cela que pour ma part, je suis toujours disposé à discuter et à écouter et à échanger avec des personnes qui proposent des formes différentes de gouvernement tant qu'elles sont prêtes à se battre pour l'avènement d'une nation bretonne indépendante dans laquelle eh l'expérimentation de leur forme de gouvernement pourrait devenir une réalité. Autrement dit, d'un côté, il est important de ne pas mettre la charrue avant les bœufs mais de l'autre, il est toujours utile de commencer d'ores et déjà à exercer une réflexion sur l'état breton de demain. Et c'est donc pour cela que j'ai voulu vous livrer la lecture de ce fascicule et c'est aussi pour cela que j'ai voulu en faire un commentaire. Parce que cette réflexion est essentielle parce que ce n'est que en exerçant notre réflexion sur les textes qui nous sont proposés que nous pourrons établir un système politique qui soit ancré dans le réel, et sur ce point je rejoins absolument le cercle pierlandais, il faut que dans tous les cas le système politique soit ancré dans le réel, car c'est comme cela que nous ferons une Bretagne forte, fière et libre. C'était le Marweiler, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, n'hésitez pas à à rejoindre le Parti national breton et à lutter avec nous pour une nation bretonne libre et indépendante, quelle que soit la forme de gouvernement que vous souhaitiez qu'elle adopte après cette indépendance. Kenar Véchal, à Bevedreze, Brezatau.